Hello, hello, bonjour à tous, salam alaikum, azul felawen, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'Algérie, un pays riche en histoire, en culture et en paysages magnifiques. Je vous invite donc à rester connectés pour découvrir avec moi la beauté et la diversité de ce pays. N'hésitez pas à commenter et à partager vos impressions avec moi. Bon visionnage! Nous sommes ensuite dirigés vers le musée d'Alger. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer l'intérieur puisque tout simplement c'était interdit. Par contre, j'ai trouvé quelques photos Google qui pourront illustrer mes propos. Sur cette peinture, nous pouvons voir les 22 hommes du FLN, donc FLN Front de Libération Nationale,
ce sont les hommes qui se sont levés pour combattre afin de libérer l'Algérie. Ici, en peinture, représentés les différents présidents d'Algérie. Alors, il faut savoir que l'image est ancienne, comme je vous l'ai dit précédemment. Il manque deux présidents. Alors, un qui était en 2019, malheureusement, qui est resté seulement que 8 mois puisqu'il est décédé du Covid, Alaa Yahmo, et le président actuel que vous connaissez tous, Monsieur Tebboune. Alors moi, personnellement, ce qui m'a vraiment plu dans ce musée, c'était de retracer l'histoire d'Algérie du début, c'est-à-dire de la préhistoire, jusqu'à maintenant. On pouvait voir comment ils étaient habillés avant, auparavant, et l'évolution, surtout aussi le royaume de Numidie, avec les différentes tribus berbères, et comment était l'Algérie sans les frontières avec le Maroc et l'Algérie. C'était qu'un seul royaume. Et puis les différentes colonisations aussi. Et voilà, c'était un condensé de la visite du musée d'Alger. Sans plus attendre, nous avions trouvé un restaurant au bord de l'autoroute. On avait trop faim. Donc spécialité frites omelettes, avec du bon pain rond et de la viande. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'était donc déjà les prix fixes. Voilà, quand on veut acheter quelque chose, le prix est fixé, il n'y a pas de négociation. Et pour moi, c'est ultra important, puisque quand on part en vacances, on n'a pas 4 heures pour négocier. Et de plus, quand les prix sont fixes, on ne se sent pas arnaqué. Voilà, ça c'est important pour moi. Les prix ne sont pas à la tête, donc déjà ça me soulage dans mon voyage. Deuxième point fort, l'honnêteté des commerçants. Alors, ne connaissant pas le dinar, à chaque fois je donnais un petit peu n'importe quoi et à chaque fois on me courait après pour me rendre ma monnaie et ils auraient pu la garder à tout moment, mais à chaque fois ils nous couraient après pour nous le rendre. Ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les fameuses robes berbères, les fameuses robes kabyles. Voilà, même des coussins aux couleurs amazir. Ça, c'est des ensembles algériens pour enfants, filles et garçons. Il y a des petits paniers. Alors moi, j'ai pris des paniers puisque je les ai trouvés très solides. Bon, j'ai pas pris un petit, j'ai pris un grand. Voilà, comme celui qui est à ma gauche actuellement. À ma grande surprise, j'ai vu énormément de chats en Algérie. Alors, j'ai observé, puisque moi-même, ayant des chats, j'ai observé... comment vivaient les chats en Algérie, donc ils sont bien traités, les gens leur donnent à boire et à manger, et en plus ils sont pas timides, ils sont très câlins. Alger la blanche. Elle est même blanche que les vidéos. Nous avons fait la rencontre de Saïd, un deuxième fleuriste, très gentil. Il a fait la parution dans le journal local et il nous a dit que lorsqu'il vivait en France, il habitait à Saint-Lazare. Ses enfants vivent à Lyon aujourd'hui et lui est revenu au pays. Rechta, c'est mon plat préféré algérien. Si je ne me trompe pas, ça vient de Constantine. Il faut savoir que l'Algérie fait 4 fois la France. Donc chaque wilaya, donc chaque département d'Algérie, a son propre plat, ses coutumes, ses traditions.
Et 8 ans que je ne suis pas retournée en Algérie. La personne qui était avec moi, ça fait 25 ans. Et une amie, ça fait 13 ans. Alors il faut savoir aussi qu'avant, voilà, c'était un pays sorti de guerre. Et puis elle a eu ses années noires. Donc c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de reconstruction à faire. Et récemment, on m'a dit, il faut absolument que tu y ailles, puisque ils ont construit plein de nouvelles structures. Il faut aller voir. Donc effectivement, à ma grande surprise, effectivement, l'Algérie a bien évolué, mashallah. Très belle celle-là. Magnifique. Très beau. Selon moi, ce qui serait très très utile si vous allez en Algérie, ce serait d'être absolument véhiculé. Voilà, c'est primordial puisque les stations de métro sont fermées à certaines heures, il n'y a pas de bus. Donc si vous voulez vraiment être libre dans vos mouvements, le mieux ce serait d'avoir un véhicule. Du beurre de karité ? Oui. Des pistolets, des balles. Et du khulla. Ah mais il y a de... Tu vois, regardez, donc là, avec... il y a les pins là aussi. Hein. سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا
سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صنعه ذلك الدهر الذي ترضى به. Et voilà, arrive la fin de ma vidéo sur cette prestation de karaté. J'espère que vous avez aimé. Abonne-toi et like si c'est le cas. Et active la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos. C'est une maison bleue. À danser à la police, on y vient à pied, on n'y frappe pas ceux qui vivent là.